Gloire à Dieu. Je vais vous annoncer que sans exception, vous êtes les prochaines étoiles. Et vous aujourd'hui, la puissance de Dieu viendra sur votre vie. Où que vous soyez, quel que soit le trou dans lequel vous êtes, le Seigneur va vous élever au niveau le plus élevé au nom de Jésus. Impact. Étoile dominante. Le Seigneur va impacter votre vie. Et vous allez impacter la vie, je ne veux pas des milliers, mais des millions de personnes dans cette génération au nom de Jésus. Où es-tu là-bas? Père, au nom puissant de Jésus, impacte chaque vie. Les jeunes, les vieux, les élèves, ceux qui ont déjà fini les études, les jeunes adultes, tout un chacun sans exception, même les mères et les pères qui sont ici. Père, je prie, élève chacun au nom de Jésus, pour que nous voyons l'étoile en chaque personne, l'étoile en cette femme là-bas. Et je prie que cette étoile brille au nom de Jésus. Ici au lieu Alpha, partout où nous sommes connectés, Seigneur, chaque nation suscite des étoiles brillantes. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Vous devez donner un autre amen. Que le Seigneur accomplisse dans votre vie. Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Nous parlons d'étoiles. Nous parlons des étoiles dans notre monde. Nous parlons des étoiles dans ton monde, où que tu sois. Ceux qui sont autour de toi, le monde autour de toi, le globe autour de toi, ils verront tellement cette étoile élevée. Comment nous manifester pour montrer aux autres? Comment démontrer que le Seigneur nous a donné la grâce pour que nous devenions des étoiles profitables, des étoiles dominantes, des étoiles dignes de ce nom, des étoiles progressives, une étoile parfaite dans la galaxie du monde, dans l'environnement où Dieu nous a placés. Je vous parle ce jour du message intitulé « Vivre comme des étoiles profitables dans notre monde ». Il y a une différence entre notre monde et le monde. Notre monde est notre monde. Le monde est le grand monde. Mais dans notre monde où nous vivons, dans notre monde où nous opérons, dans notre monde où nous exécutons et faisons tout, notre monde, dans notre profession, dans notre monde, dans le siècle où nous sommes, dans notre monde, le Seigneur fera de toi une étoile profitable. Maintenant, quand nous parlons d'étoiles, il y a des étoiles au ciel, il y a des étoiles sur la terre, il y a des étoiles pour toujours, il y a des étoiles maintenant et maintenant. C'est de ça que nous parlons maintenant en Daniel chapitre 12. Nous voyons le verset 3, Daniel 12, 3. Ceux qui auront été intelligents, attendez, il y a des gens intelligents, des gens insensés. Il y a des gens qui ne pensent pas à l'avenir, il y a des gens, les insensés, ne pensent pas aux conséquences de leurs actions, les insensés qui laissent leur destinée derrière et qui chassent l'ombre. Mais
Mais les sages, les intelligents, ceux qui sont intelligents et qui ont leurs yeux et qui voient, qui ont leurs pensées, ils réfléchissent, qui ont leur cœur et ils planifient. Les sages, les intelligents, ceux-là qui marchent dans la direction que le Seigneur dit va là-bas, va là-bas, va là-bas. Et le Seigneur te conduira à ce sommet de ta vie au nom de Jésus. Les intelligents, les sages brilleront. Les insensés ne brillent pas. Les vagabonds ne brillent pas. Ceux-là qui n'ont pas d'huile dans leur lampe ne brillent pas. Ceux-là qui marchent avec la foule et qui ne comprennent pas que je suis là pour faire quelque chose. Je suis là pour être quelque chose. Je suis là pour aller quelque part. Je suis là pour réaliser. Mais les insensés ne pensent même pas de réalisation, d'action, d'attitude. Les insensés ne pensent même pas à quoi que ce soit. Mais les sages sont ceux-là qui brillent comme la splendeur du ciel. Et ceux qui auront enseigné, ceux qui auront détourné. Vous savez, si vous n'avez jamais détourné quelqu'un, vous allez sur ce chemin maléfique, ils ne reviennent jamais. Ceux-là, tels qu'ils agissent aujourd'hui, c'est comme ça, ils ont agi il y a 10 ans. Tels ceux qui seront dans 5 ans, c'est ce qu'ils sont, c'est comme ça ils sont aujourd'hui. Ils ne changent jamais. Ils ne comprennent rien. Ils suivent ce mauvais chemin et ils vont dans la direction qui n'a jamais fait de quelqu'un une étoile. Des milliers d'années passées, le monde a été. Et ils continuent, ils ne reviennent jamais. Mais il y a des gens ici aujourd'hui qui vont revenir. Il y a des gens, tu vas revenir. Et ils reviendront sur le bon chemin. Tu reviens positivement. Et tu reviens transformé. C'est ceux-là qui reviennent. Avant de transformer les autres, il faut que toi-même tu sois transformé. Si tu es une personne qui marche dans la même direction et tu n'as jamais été transformé, comment est-ce que tu peux aider quelqu'un? C'est ceux-là qui reviennent. C'est ceux-là qui ont quitté le mauvais chemin et qui marchent dans la direction, dans la bonne voie. Ce sont ceux-là qui peuvent revenir et ramener d'autres. Et ceux qui auront ramené plusieurs à la justice, à la multitude, brilleront. Je fais partie d'eux. Elle dit, je fais partie d'eux. Tu vas, tu seras et tu le deviendras au nom de Jésus. Voyez ce mot, étoile. Je peux doigter les étoiles qui sont en haut dans le ciel, dans la nuit. Je peux également doigter les héros autour de nous. Je peux maintenant venir vers les experts dans tel domaine. Mais nous tournons vers les étoiles écrit dans la Bible, noté dans la Bible, les étoiles. Vous connaissez donc le mot étoile en anglais, c'est S-T-A-R-S en anglais. S répété, T-A-R-S. Prononcez maintenant en un mot étoile. S pour Samuel, T pour Timothée, A pour André, R pour Ruth, S pour Saul de Tarse. Il n'y a aucun doute dans ton esprit, ces gens-là, en leur temps, dans leur génération, dans leur monde, ils étaient des étoiles. Ils nous ont laissé les principes. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Comment ont-ils vécu pour qu'ils parviennent à l'étape d'étoiles dans leur vie? Est-ce que ces principes sont transférables? Est-ce que je peux prendre ce principe, cette passion, cette pensée? Est-ce que je peux suivre ce chemin qui a conduit à leur gloire? Est-ce que je peux les transférer pour moi-même? Oui, je peux. Est-ce que tu peux prendre les principes par lesquels Samuel, Timothée, André, Ruth et Saul, est-ce que tu peux prendre les principes qu'ils ont appliqués dans leur vie pour devenir comme eux?
et même aller au-delà de ces gens. Dis oui, je peux. Dis-le, oui, je peux. Dis-le encore à haute voix, je peux. Quand vous regardez, quelqu'un peut dire, oh, ah, je suis comme lui. Je ne peux pas. Quand tu dis ça, tu t'élimines. C'est toi. Dieu te considère dedans et c'est toi qui es en train de t'exclure. En regardant mon niveau à moi, je n'ai jamais su. Je parle, disons par exemple maintenant, il y a de cela 80 ans, hein. Disons 70 ans passés, c'est très longtemps. Hein. Il y a de cela 60 ans, il y a très longtemps. J'ai regardé autour de moi, j'ai regardé mon monde, j'ai regardé dedans, j'ai regardé au dehors, j'ai regardé partout. Je n'ai jamais su que je pouvais prendre les principes de ceux-là qui sont devenus des étoiles et que je pouvais les appliquer à ma vie. Alors, ces nombreuses années-là, j'ai dit, ah, c'est lui, je ne peux pas. Ah, c'est elle, à moi, je ne peux pas. Un jour, un défi est venu pour moi. Pourquoi? Pourquoi? Dis que tu ne peux pas. Quand ils ont pu, il y a un Dieu au ciel qui peut t'élever, te susciter à leur niveau et même au-delà de leur niveau. Alors je me suis dit, c'est vrai ça? Et le Seigneur m'a montré. Et maintenant je dis, je peux. Le jour que j'ai changé, le jour que je suis revenu en quittant, je ne peux pas, de je ne peux pas à je peux. Un nouveau voyage a commencé. Je pensais que tu vas dire amen. Maintenant pour toi, le jour que tu changes de je ne peux pas, ma famille n'a pas les ressources et il n'y a pas de héros dans mon histoire, mais tu sais que Dieu peut commencer avec toi et il va commencer avec toi. Et maintenant, en toi, et au lieu de continuer à dire, je ne peux pas, tu te réveilles aujourd'hui. Je dis, tu te réveilles aujourd'hui. Et tu te dis, je peux. Tu dis, et si tu le dis, tu continues à le répéter, à le dire. Je peux. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Peu importe qui tu es, peu importe ton niveau actuel, peu importe ton niveau, moi, je peux tout par Christ qui me fortifie. Amen. Alors, nous considérons vivre comme des étoiles profitables dans notre monde. Premier point, Samuel, la préparation. La préparation comme Samuel pour le service. Deuxièmement, c'est Timothée. La poursuite fervente comme Timothée pour notre tâche. Troisièmement, c'est pour André. Les priorités essentielles d'André et son attitude. Quatrièmement, Ruth. La passion exemplaire de Ruth pour la repossession. Saul. La persévérance extraordinaire de Saul. Pour l'importance, premier élément, des principes qui ont aidé Samuel et il est devenu l'étoile. Nous voyons la Samuel, 1 Samuel chapitre 2, la préparation d'enfance comme Samuel.
L'enfant Samuel, 1 Samuel 2, 26. Personne ne devenait tel sans grandir. Si tu as la vie enfantine, des attitudes enfantines, des comportements enfantins, et il n'y a pas de croissance, il n'y a pas de croissance. Dans le jeune Samuel continue à grandir. Il n'y a pas de croissance dans ton attitude, dans ton style de vie. Pas de croissance dans tes activités. Ce n'est pas possible de devenir des étoiles. Si nous sommes toujours au même niveau. Et on dit, le jeune Samuel continue à grandir. À grandir. Pas seulement qu'il a grandi pour s'arrêter. Non, il y a des gens. Ils grandissent et ça s'arrête là. Ils ne continuent pas dans leur soif, dans leur lecture, dans leurs activités, dans leur profession. Ils grandissent et s'arrêtent. Non, ils continuent à grandir. Et il était agréable à l'Éternel et aux hommes. Vous connaissez l'histoire de cet homme. Je n'ai pas besoin de lire tous ces nombreux passages. Mais ce que je retiens ici, premièrement, Samuel était ferme comme étoile. Premièrement, par la séparation des mauvais personnages. Vous savez d'où il vient. Et vous connaissez Ophni et Phiné, le mauvais environnement dans lequel, premièrement, donc, Samuel, avec le S de son nom, c'est la séparation des mauvais personnages. Deuxièmement, à avancer dans la consécration d'enfance. Maman a dit à Samuel, avant que tu ne naisses, j'étais stérile. Et maintenant, je suis allé à Dieu. J'ai dit, Dieu, donne-moi un enfant mâle. Si tu me donnes cet enfant mâle, je vais le consacrer, te le dévouer. Et la mère a transmis la consécration à Samuel. Et c'est devenu une consécration. Il est devenu un garçon consacré. Dans son enfance, et il a avancé dans sa consécration d'enfance. Le M, c'est avancer, mouvoir. C'est mouvoir sans se laisser piéger par la corruption. Il y avait tellement de corruption là où il était. Mouvoir sans être piégé par la corruption. S'il évoluait, la corruption allait se répandre sur lui. Mais il devait évoluer en gardant la séparation entre lui et la mauvaise communauté. Si tu veux mouvoir comme Samuel et devenir une étoile brillante, une étoile dominante, une étoile profitable, tu dois mouvoir sans être piégé par la corruption. Ensuite, dans le nom Samuel, c'est maintenir sa conviction. Et ce Samuel, peu importe le jour de la semaine, peu importe les associations autour de lui, il a sous-maintenu sa conviction qui était gravée en lui. Maintenir la conviction gravée en soi. Si tu veux devenir une étoile brillante, il faut qu'il y ait une conviction plantée en toi à la conversion. Et tu te dis, voici la direction dans laquelle je vais marcher. Et cette conviction est gravée dans ton cœur. Et elle ne peut pas être enlevée par n'importe qui. Par ceux-là qui viennent, par ceux qui s'en vont dans ta nouvelle institution. Et même dans ton service, tu portes ta conviction là-bas et elle est gravée dans ton cœur. Et tu te dis, peu importe ce que les gens autour de moi font, peu importe ce que les gens autour de moi pratiquent, je suis venu ici avec ma conviction gravée en moi. Et tu maintiens cela. En Samuel, nous avons eux. Endurer tout et toute contradiction. Endurer tout et toute contradiction.
il y a des gens qui viendront autour de vous et vont essayer de vous contredire. Ils peuvent être gentils, ils peuvent être méthodiques, ils peuvent être durs. Et ils disent, tu vas changer pour adopter notre style de vie. Mais tu enduis toute contradiction. Tu sais là où tu vas. Tu sais le plan que tu as et le plan que Dieu a pour toi. Tu vas rencontrer des gens, peut-être qui ont des perspectives religieuses différentes. Tu vas rencontrer des gens d'autres perspectives doctrinales. Mais tu as cette nature endurante. Et tu te rappelles les paroles de Jésus. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ainsi donc, tu enduis tout et toute contradiction. Et le L, vivre avec une conscience éclairée. Personne ne devient une étoile en jetant sa conviction, sa conscience. C'est ta conscience qui suit ton progrès, ta pureté, ta stabilité, ta fermeté. C'est ta conscience qui surveille pour dire, ah, tu es sur le bon chemin. C'est ta conscience qui te dit, il semble que tu es en train de changer. Ton caméléon a pris l'image et les perspectives de l'environnement. C'est ta conscience qui t'alerte et te dit, tu es toujours là. Tu avances toujours. Ainsi donc, pour être un Samuel et pour être une étoile, tu vis avec une conscience éclairée. Et le Seigneur le fera pour toi. Aujourd'hui. Et dit aujourd'hui. Deuxième élément maintenant. La poursuite fervente, comme Timothée, pour notre tâche. Vous voyez, ce que nous faisons ici, nous prenons le T et nous rattachons ça à la tâche. Nous rattachons Samuel S au service. Maintenant, nous avons Timothée. Il était formé, il a été enseigné, il a été guidé pour devenir une étoile. Comment? Comment est-ce que cela a été fait? Voyons ce Timothée qui était en ce lieu-là. Quand Paul, l'apôtre, l'a rencontré, et l'apôtre Paul a dit, il y a une étoile enfermée dans ce jeune homme. Et je vais ressortir cette étoile. Et je veux te dire aujourd'hui qu'il y a une étoile enfermée en toi là-bas. Et la puissance de Dieu et tout ce qui est fait au calvaire va libérer cette étoile de ta cage. Quel principe? Quel patient? Qu'est-ce qui a été fait pour que ce Timothée devienne une étoile dans sa tâche? Son nom commence avec T, la vérité, et la vérité. L'apôtre Paul, auquel il s'est associé, n'avait rien que la vérité. La bonne vérité, la vérité de l'évangile, et le type de vérité qui amène un homme à savoir que là où je suis, je ne suis pas suffisant. Je ne suis pas là, je ne suis pas encore arrivé à destination. Et l'évangile dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait, dites-moi, ça c'est l'évangile, oui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Son Fils unique. Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu
a utilisé l'apôtre Paul pour montrer à Timothée que l'évangile que j'ai, la vérité de l'évangile peut transformer ta vie. Tu ne seras plus jamais le même. Ce qui est venu dans sa vie, la vérité, il de Timothée, l'intégrité et l'ingéniosité. L'intégrité et l'ingéniosité. Comme Timothée a reçu l'enseignement pour être élevé, pour devenir une étoile, il a dit, personne ne devient une étoile sans intégrité et sans l'ingéniosité. Être ingénieux t'amène à travailler dur. Tu travailles avec tes mains jusqu'aux os. Tu ne dis pas que j'abandonne, je suis fatigué. Non, les étoiles ne se fatiguent jamais, n'abandonnent jamais. Ensuite, la modestie. Dans tout ce que tu fais, tu veux devenir un expert, tu veux devenir une étoile. Comment est-ce que Timothée est-il devenu une étoile dans son domaine, dans son appel, dans sa vocation, en ayant la modestie, pas d'orgueil. Dieu merci. Je suis arrivé à un niveau élevé. Mais ce n'est pas la grâce seulement, la maîtrise. Tout ce qu'il devait faire comme un athlète, c'est avoir la maîtrise sur l'utilisation des lèvres, l'utilisation de tes mains et l'utilisation, le contrôle de ton souffle. Comme tu vises la victoire et le niveau d'étoile, la modestie et tu as la maîtrise. J'assujettis mon corps. Montrez-moi un homme, montrez-moi une femme qui ne peut pas maintenir son corps assujetti, sa bouche, ou bien sa pensée, ou bien ses yeux, ce qu'il voit. Cela ne peut jamais être une étoile. C'est ceux-là qui ont la modestie et la maîtrise. Oh, l'obéissance et l'ordre. Obéissance et ordre pour le haut. Il se rappelle, voici ce que mon mentor, l'apôtre, voici les choses qu'il m'a enseignées. Que l'apôtre Paul soit là ou pas, il était obéissant à cette parole. Il était également ordonné. Vous savez, dans la vie, commençons par ta table, l'ordre. Parce que s'il y a le désordre là-bas, il y a quelque chose là-bas, il y a un livre là-bas, il y a un dossier là-bas, il y a un papier là-bas que tu cherches. Et c'est là, mais tu n'arrives pas à trouver à cause du désordre. Il y a quelque chose dans la maison dont tu as besoin. Ah, j'ai besoin de ça urgemment maintenant. Mais je n'arrive pas à trouver ça. Pourquoi? Le désordre. Il y a quelque chose dans ta vie que tu cherches. Et il y a une attitude. Il y a un type de caractère, de caractéristique que tu cherches maintenant. Mais ta vie est complètement encombrée. Il n'y a pas d'ordre. Tu ne pourras pas trouver jusqu'à ce que l'opportunité te dépasse. Maintenant, ensuite, il y a la droiture. Vous voyez, dans nos vies, si tu es toujours droit dans tout ce que tu fais, tu ne te précipites pas pour le faire. Tu le fais avec... tu commences et tu finis jusqu'à la conclusion. Tu le fais de façon logique. Et tu es vraiment engagé. Et tu as réfléchi. Si je passe par ce chemin, est-ce que ça va m'amener à destination? C'est que je suis réfléchi. Il y a plusieurs choses que je peux faire. Si je le fais, est-ce que ça va me conduire là-bas? Ça, c'est être réfléchi. Il y a des sociétés, des groupes de personnes auxquelles je peux me joindre pour faire cela. Mais si je me joins au groupe A, quel est l'avantage? Si je me joins au groupe B, quel est l'avantage? Si je me joins au groupe C, quel est l'avantage? Si je me joins aux gens de la même tribu pour que nous puissions parler le vernaculaire
ma langue maternelle. Quel est l'avantage pour que j'atteigne ma destination? Il faut donc être réfléchi. Vous voyez ce Timothée? Comment est-il devenu l'étoile, l'honnêteté et ayant le ciel en vue? Son objectif final, le sommet des objectifs, le sommet final, c'est aller au ciel. Ainsi donc, tout ce qu'il faisait, qu'il mange ou qu'il boive, ou qu'il fasse quoi que ce soit le matin ou l'après-midi ou le soir, il avait le ciel en vue comme objectif. Ensuite, il était honnête, honnêteté pour lui-même. Si je fais ceci, est-ce que je me trompe moi-même? Si je passe pas des raccourcis, est-ce que je ne me trompe pas moi-même? Est-ce que je ne trompe pas mon superviseur qui supervise mon projet? Si je fais du plagiat, ce que les autres ont déjà fait, et je copie ça, et je mets seulement mon nom dessus, est-ce que réellement j'ai l'intelligence et la perception que je montre à la personne qui me supervise que j'ai quelque chose? Tu as l'honnêteté et tu as le ciel en vue. Ensuite, Y, dans ce nom, Timothée, c'est la soumission. La soumission, sans être sous un joug étranger. Nous visons à devenir des étoiles. Mais nous nous soumettons. Parfois, il y a des choses que tu n'aimes pas. Mais, sans être sous un joug étranger, tu te soumets et t'abandonnes à cela. Parce que ces gens-là, les gens autour de toi, ah, je n'aime pas ça, je n'aime pas ça. Mais tu sais, il y a le chauffeur qui t'amènera à l'objectif qui fera de toi une étoile. Ainsi donc, tu peux ne pas aimer certaines choses qu'il fait. Mais c'est lui qui est au volant. Tu te soumets sans être sous un joug étranger. Il peut y avoir des gens en classe avec toi. Et c'est leur manière de faire. Et tu te dis, ils ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne sont pas sauvés. Ils ne sont pas sanctifiés. Je suis d'accord avec vous. Mais, s'il y a un emploi du temps qu'ils font, et ils ne te considèrent pas de l'emploi du temps, parce que toi tu aimes faire ci et aimes faire ça, on ne t'a pas considéré, on n'a pas pris ça en compte dans l'emploi du temps. Toute la classe a décidé, voici ce qu'il faut faire à tel moment, je me soumets sans être sous un joug étranger. Je ne fais pas ce qu'ils font, je ne bois pas ce qu'ils boivent, je ne fume pas ce qu'ils fument. Mais, des fois, les règles et la constitution de ton pays dit, voici le chemin à suivre, je me soumets, mais sans me soumettre au joug étranger. Timothée, alors, a compris cela. Et il avait une poursuite fervente. Il poursuivait quelque chose. Il dit, ce que je poursuis, je vais l'avoir. Et tu vas posséder. Comment est-ce que quelqu'un possède s'il ne poursuit pas quelque chose? Il ne possède pas parce qu'il ne poursuit pas. Mais l'homme qui se dit, je poursuis la vérité, je poursuis l'intégrité, je poursuis le bon comportement, je poursuis l'obéissance, je poursuis la vie réglée en toutes choses, dans tout ce que je fais, je poursuis l'honnêteté, la sainteté et je poursuis la soumission. Je te verrai au sommet. Troisième élément maintenant, les priorités essentielles d'André et son attitude. La priorité essentielle d'André et son attitude. Maintenant, nous lions André à son attitude, Timothée à sa tâche.
et Samuel à son service. Vous voyez, vous devez toujours voir l'objectif dans ce que vous cherchez et ce que vous voulez dans la vie. Et chaque jour de votre vie, vous devez rattacher ce jour à la destinée. Et vous vous dites, voici là où je vais. C'est ce lien qui vous aide maintenant. André et attitude. Quand nous pensons aux mots, commençant avec A, il y a action, il y a accomplissement, il y a réalisation et il y a attitude maintenant. Je ne sais pas si nous aurons le temps, mais essayons. Quand vous regardez l'alphabet et vous nommez les lettres de l'alphabet, A c'est 1. Numérotez les lettres de l'alphabet. 3 c'est quoi? D c'est 4. E c'est 5. Écrivez l'alphabet et numérotez de 1, B, 2, C, 3, 4, D. E, 5, F, 6, G, 7, H, 8, I, 9, et continuez ainsi de suite. Vous écrivez l'alphabet de A à Z et vous numérotez ça de 1 à la fin. Comme vous le faites et vous donnez un numéro à chaque lettre. Est-ce que vous avez fini? Commençons maintenant. A. Attitude, vous mettez 1 devant. Vous écrivez attitude verticalement. T, c'est quel numéro dans la numérotation? T, c'est quel nombre? 20. Devant, attitude, mettez, écrivez attitude verticalement. A, 1. T, vous mettez 20. T, un autre 20. A, I, c'est quel numéro? 9. Mettez 9 devant I. Ensuite, un autre T. T, c'est quel numéro? U, c'est quel numéro? 21. D, c'est quoi? 4. E, c'est quoi? 5. Et vous avez 1, 20, 20, 9, 21, 21, 4, 5. Faites l'addition, on verra combien ça donne. Ça fait 100. L'attitude dans notre vie, c'est ce qui nous amène à aller dans la direction de 100, la réalisation. Si vous avez une mauvaise attitude, vous n'avez pas la gratitude dans la vie, quelqu'un vous aide, pas de gratitude. Ah, c'est tout ce qu'ils ont fait, ça. Et c'est tout l'argent qui peut me donner, ça. Ça, c'est tout le second me donne, ça. Le garçon n'a pas la gratitude. Il n'a pas une bonne attitude. S'il y a quelque chose à faire, un travail à faire, et au moment où vous êtes là pendant 5 minutes, et je suis fatigué, hein, moi, je ne peux pas faire, je ne peux plus rien faire. Le garçon, la fille, n'a pas la fortitude, la fortitude. Et parce qu'il n'a pas la fortitude, il n'a pas une bonne attitude. Vous savez, dans la vie, quand vous regardez la vie, vos actions, vos comportements, vos interactions avec les autres, si vous maintenez une bonne attitude, vous avez 100 avant de commencer. Vous avez perdu votre amen. Vous avez donc les priorités essentielles d'André et son attitude. Voyons Jean chapitre 1. En Jean chapitre 1 verset 40. Jean 1 40. André était frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jésus et qui avait suivi Jésus. André. Vous lisez toutes les autres références. Qu'est-ce que nous apprenons? Comme principe pratique d'André.
Parce que André est apprécié comme étoile, premièrement, étant actif, en conduisant les autres à une meilleure destinée. Voyez, Pierre, une meilleure destinée. C'était André qui était actif, son attitude et le style de vie actif d'André dans nos vies. Nous devons être actifs. Actifs pour être une bénédiction aux autres. Actifs pour rendre les autres meilleurs. Actifs pour amener les autres à être heureux. André, N. Notoire. En conduisant les chercheurs à sortir du dilemme. André était noté pour cela. Il était connu pour cela. Si dans ta vie, si tu ne regardes, tu ne considères pas ce que je peux gagner, mais ce que je peux donner, tu ne regardes pas ce que je peux obtenir pour moi-même, mais ce que je peux donner, mettre dans la vie des autres. C'est ce que André, c'est pourquoi il est devenu une étoile. Ensuite, le D, nous parlons d'André. Nous parlons ce qu'il a fait parce qu'il était décisif en prenant ses décisions courageuses. Décisif. Il y a des personnes indécises dans la vie. Est-ce que tu vas faire ça? Je pense toujours à ça, hein. Je suis en train de peser le pour et le contre. Tu viens la semaine suivante. Est-ce que tu vas le faire? Je suis toujours en train de réfléchir. Tu réfléchis. Il y a un problème d'indécision. Et il n'arrive pas à réfléchir. Oui, je le peux. Est-ce que tu es marié? Je pense à ça, hein. Est-ce que quelqu'un s'est approché de toi? Oui. Mais tu sais, je dois vérifier. Si tu veux connaître les gens là, tu ne vas jamais découvrir. Tu ne pourras jamais connaître tout sur une personne. Tu ne pourras jamais découvrir tout sur tout le monde. Tu dois décider par la foi. Tu dois aller à Dieu pour dire, Seigneur, est-ce que ça, c'est la chair de mes chairs et l'os de mes os? En réalité, après être marié 1 an, 5 ans, 10 ans, tu n'auras toujours pas tout découvert sur ton époux. C'est pourquoi les gens disent, c'est pourquoi les gens mettent l'accent, c'est pourquoi les gens nous disent que le mariage est une école. Tu continues à apprendre et apprendre et apprendre. Parce que peu importe la durée de temps que tu prends pour attendre, quelle que soit la manière dont tu pèses de telle ou telle manière, tu ne découvriras jamais tout sur une personne. Ainsi donc, si tu es un homme d'indécision, si tu es une femme d'indécision, tu dois venir et comprendre le fait que Dieu tient l'avenir entre ses mains. Et peu importe ce que je vois maintenant, peu importe ce que je connais maintenant, est suffisant pour moi pour que je prenne la bonne décision, conduite et guidée par le Seigneur. André était décisif en prenant ses propres décisions courageuses. Chaque décision doit être courageuse. Si elle n'est pas courageuse, tu vas vaciller. André, nous pensons à lui. La lettre suivante, le R, nous parle de cet André. Il était fiable, toujours s'améliorant vers un jour brillant. Peu importe le jour. Ah, aujourd'hui est nuageux, il est sur le point de pleuvoir. Ah, ce jour est bruyant, mais les jours nuageux et ces jours nuageux
et ses jours imprévisibles. André était toujours fiable, digne de confiance, s'améliorant toujours vers un jour radieux. Ensuite, eux, revêtus de puissance, tout en priant pour la dynamite bénie. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Il n'a pas dit, ah bon, nous avons déjà assez de qualité, nous avons assez de caractère, nous avons assez de charisme, assez de tout. Cet homme, André, il est finalement, comme il s'est confié au Seigneur, il a prié le Seigneur, il était revêtu de puissance en priant pour la dynamite bénie. Ensuite, la dernière lettre, travaillant, marchant avec le maître, marchant avec lui, et il marche dans la destinée du progrès. Marchant, vous voyez des gens qui deviennent des étoiles. Il y a ce que nous appelons un temps continuel. Il n'y reste pas. Oh, j'ai été conduit. Non, je suis toujours évoluant. Ils ne se disent pas, j'ai marché avec lui par le passé. Je marche toujours avec lui maintenant. Ils ne disent pas, oh, je l'ai fait avant. Mais ils disent, je le fais. Il y a donc un temps continuel dans leur vie. Cela veut dire qu'ils évoluent ainsi de suite. Et je vais te poser la question. Qu'est-ce que tu as fait cette semaine qui contribue à l'avenir radieux et au but et à devenir l'étoile que tu veux dans ta vie? Il marchait avec le maître sans être découragé, marchant avec le maître, marchant allant dans la bonne direction sans être découragé. Ah, c'est toi, une nouvelle vie, c'est toi, un nouveau progrès. Amen. Tout le monde peut marcher. Quelqu'un est couché là-bas. Et nous disons, lève-toi. Va faire ceci. Ah, je suis fatigué. Hein? Peut-être que je suis malade. Je suis découragé. Et tout d'un coup, cet homme couché là-bas, qui semblait n'avoir aucune force, je ne peux pas marcher. Je ne peux rien faire. Je ne peux pas avancer. On dit incendie, feu. Et le feu est en train de tout brûler. Ouais, le monsieur, il a sauté. Ah, je croyais que tu ne pouvais pas te lever, donc tu peux. Et il court. Ah, je croyais que tu ne pouvais pas marcher, mais tu as couru. Si réellement tu veux te lever, marcher, qu'il y ait une explosion. Peut-être dans ton cerveau, dans ton esprit, dans ta personnalité, que cette explosion te réveille. Et tu vas te réveiller aujourd'hui. Tu vas te lever. Tu vas quitter la médiocrité. Et tu deviendras une étoile au nom de Jésus. D'autres disent, pasteur, quand j'étais plus jeune, s'il m'avait donné un message comme celui-ci, oh, j'allais courir. Mais maintenant, je suis vieux. Et je dis, mon frère, ma soeur, quel âge as-tu? J'ai 62 ans. Bon, regarde ici. Lui, là, il a environ 83 ans. Et il court toujours. Si un homme de 80 ans, 81, 82, 83. Qu'on peut courir. Monsieur, 57, 51 ans, 53 ans, 58 ans. Dites-moi ce qu'il peut faire.
Dites-moi ce qu'il peut faire. Tu as 18 ans. 22 ans. Tu as 23 ans. Un homme de 83 ans maintenant, dans moins de 2 mois, il court toujours. Garçon, 23 ans. Fille, 25 ans. Tu vas faire quoi? Une fois que tu décides que tu vas courir, tu deviendras une étoile. Quatrième élément, la passion exemplaire de Ruth pour la repossession. Elle a perdu son mari. Elle était sur le point de perdre sa patrie. Mais tu auras la passion. Elle dit, tu auras la passion. Et tu vas reposséder tout ce que tu as perdu au nom de Jésus. Voyons Ruth au chapitre 1. Verset 16. Ne me presse pas de te quitter ou de retourner. Mais partout tu iras, j'irai. Ruth 1, 16 à 18. J'irai. Est-ce que tu peux dire ça? Le progrès cesse dans ta vie quand la passion d'avancer meurt. La passion d'avancer, la passion avec un but, la passion avec une motivation, la passion, c'est que c'est un nouveau voyage, je vais aller. C'est une nouvelle proposition, je vais avancer. C'est une nouvelle réalisation, j'irai. C'est une nouvelle responsabilité, j'irai. Quand va la passion d'aller, d'avancer, est en toi, rien ne pourra te faire marcher, te faire retourner. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Quand tu n'as pas trop de choix, dans ma famille, on ne mange pas ça, je ne mange pas ça. Quand je grandissais, on ne dormait pas là-bas. Ah, je ne vais pas dormir aussi là-bas. Tu fais trop de... Tu es trop sélectif. Non, je ne peux pas faire ça. Tu as été gâté. C'est pourquoi tu dis, je ne peux pas rester là-bas. Je ne peux pas boire cette eau-là. Je ne peux pas manger ce repas. Je ne peux pas dormir dans une chambre pareille. Je ne peux pas rester ventilo. Il me faut une climatisation. Tu ne peux pas devenir une étoile. Mais quand tu te dis, partout, en tout lieu, j'irai, je vais demeurer. La seule admission que j'ai eue, oh, c'est hors de notre état. Là, on m'envoie maintenant, c'est dans tel autre lieu. Et j'ai appris beaucoup de ce lieu-là. Ah, je ne peux pas étudier là-bas. Je ne peux pas aller là-bas. Tu vas rater ton chemin vers la demeure des étoiles. On te dit partout, en tout lieu, à tout moment, en tout temps. Regardez ceci. Est-ce qu'une femme si pauvre et elle n'avait rien à manger? Dans le frigo, tout est vide. Dans son maison, vide. Ainsi, elle s'est dit, la seule chose que je peux faire, c'est de dire à cette radio que dans ma condition là, si quelqu'un peut me donner quelque chose, je suis disponible. Donnez-moi quelque chose. Regardez l'histoire.
Et un homme voulait jouer avec elle. Et il ne croyait pas en Dieu. Il avait un véhicule chargé de différents types de... Et a amené la radio et a dit, j'ai toute cette réserve pour la dame qui est venue passer l'annonce qu'elle a besoin. S'il vous plaît, déposez tout ça dans sa maison. Une vraie histoire. Ils ont pris le camion chargé de toutes les provisions et ils ont amené ça chez la dame. Elle était contente. Et ils ont commencé à décharger, comme si ça n'allait jamais finir. Et tout était maintenant placé. Et la femme a dit à celui qui a amené, merci. Mais n'a pas demandé. Elle n'a pas demandé. Qui a envoyé tout cela? Comme elle n'a pas demandé, le monsieur qui a amené ça, tu n'as même pas demandé. Qui a envoyé les provisions? Ah, la femme dit, ça ne compte pas. Hein? Parce que quand Dieu commande, même le diable va obéir. Et si c'est le diable qui t'a envoyé, m'envoyer ces provisions, c'est Dieu qui a commandé au diable. Bon, sans en faire une longue histoire et sans vouloir et raconter une longue histoire, j'ai une admission à l'université d'Ibadan il y a plusieurs années et je n'avais personne pour payer les frais et j'étais né de nouveau. Alors, il y a quelqu'un qui a dit, il n'y a pas de Dieu qui a dit, tout ce que tu veux faire dans la vie, fais-le tout seul. Il n'y a pas de Dieu. Et il a enseigné cela dans la vie de tous les élèves. Mais je n'ai pas accepté ça. Parce que si j'avais accepté ça, je ne serais pas né de nouveau. Mais je suis né de nouveau. Il a dit, moi, je ne sais pas toi. Hein. Il a dit, moi. Je suis né de nouveau. Né de nouveau, a eu l'admission à l'université et il n'avait personne pour l'aider. Mais né de nouveau comprend que tout le monde sur la terre est créé par un seul créateur Dieu qui est au ciel. Qu'il s'appelle homme, femme, un athée ou un croyant, il a été créé par qui, dites-moi? Par Dieu. Alors, j'ai dit, après que je lui ai expliqué que j'ai d'admission, j'ai dit, monsieur, est-ce que vous allez payer les frais de ce garçon? Il a dit oui. Et un athée a payé tout pour moi. Je suis allé à l'université et Dieu a utilisé son sponsoring, et j'étais distinction. Et ça m'a conduit à être professeur, à être prédicateur, à être évangéliste. Et je suis devenu tout ce que je suis aujourd'hui. Ta bourse vient. Ça peut venir de moi ou venir des gens comme moi. Ça peut venir des gens qui ne sont pas comme moi. Mais ce que je sais, le Dieu du ciel va orchestrer toutes choses dans ta vie. Avance. Les bourses viennent pour toi. Nous parlons de la passion exemplaire de Ruth pour la repossession. R. Réaffirmer la décision de suivre. Réaffirmer sa décision de suivre. Elle a dit, je te suis.
Point de retour, point de retour. Quand tu prends ta décision, nuit et jour, saison sèche ou saison pluvieuse, temps difficile, temps facile, et a décidé de suivre Jésus, point de retour, point de retour. Tu es sur le chemin pour devenir étoile au nom de Jésus. U. Unité avec la destinée, par la foi. L'unité. Unité avec la destinée, par la foi. Tu vis toujours par la foi. Je sors aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je sais que je monte. Il y a quelqu'un là-bas. Tu montes avec moi. Nous voyageons pour la terre haute. Point de retour. Point de retour. Je sais, mais ça n'a pas marché. Je marche toujours en l'unité avec la destinée. Je ne vais pas changer. C'est là où je vais. C'est là où je vais. C'est là où tous, c'est là où vous et moi nous allons. C'est là où nous arriverons. Un homme qui est imparable, une femme qui est imparable. Saison sèche, saison pluvieuse, imparable. Difficulté, épreuve, imparable. Tu atteindras ton objectif. Ensuite, nous avons le T. Et le T. Toujours Ruth. Cette Ruth, elle avance. Tu vas avancer. Je vais avancer. Où es-tu? Comme tu prends la décision et tu te dis, j'avance. Je monte. Et dans ma vie, il n'y aura pas de marche arrière. Il n'y aura pas de marche arrière. Comme Ruth. Comme tu es responsable. En prenant cette décision. Et tu te dis. Point de retour. Point de retour. Rien ne pourra t'arrêter. Rien ne pourra t'empêcher d'évoluer. Et dans chaque direction que Dieu lui-même et que Dieu a établi pour ta vie, tu y arriveras au nom de Jésus. Verset 17, Ruth 1, 17. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Verset 18. Naomi, la voyant, décidée à aller avec elle. Dans notre vie, elle était décidée à aller. Décider à aller avec elle, c'est ça, ces instances. Quand tu es décidé et tu te dis, point de retour, point de retour. Et tu te dis, je vais avancer sans dévier et sans être entraîné par-ci, par-là. Et tu te dis, là où je suis, je vais avancer. Tu y arriveras au nom de Jésus. Digne de confiance dans la dévotion à la communion. La dernière lettre H, c'est le dur labeur. Il faut le dur labeur. Elle est déjà partie. Elle a quitté son pays d'origine
Et elle est maintenant dans le nouveau territoire. Et le Dieu labeur a continué. Quand tu fais de Dieu labeur ton style de vie, quand tu en fais ton habitude et tu te dis, je vais continuer à travailler dur. La même attitude de Dieu labeur, d'être laborieux que j'ai d'où je viens, ça va continuer. Et ça va continuer. Et tu as l'unité avec la destinée. Et tu es digne de confiance sans dévier. Digne de confiance dans la dévotion. Dévotion à tout ce que tu as à faire. Dans tout ce que le Seigneur a placé sur ton chemin. Quand tu dis, je vais continuer dans cette vie digne de confiance, de Dieu labeur. Quelqu'un crie, Dieu labeur. Dis-le à haute voix. Quand tu continues, le Dieu labeur, et en étant laborieux, peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, tu te dis, je sais, dans tel domaine, dans tel devoir, dans telle responsabilité, s'il y a quelque chose dont j'ai besoin, il faut le Dieu labeur. Et le Dieu labeur ne tue jamais. C'est la paresse, c'est dormir, qui décroît notre énergie. Mais quand tu as le Dieu labeur dans ton cœur, dans ton style de vie, et tu avances, et tu étudies, et tu t'efforces à être occupé chaque jour dans ton appel, dans ta vocation, tu arriveras au sommet pour être une étoile au nom de Jésus. Cinquième élément maintenant, la persévérance extraordinaire de Saul. Pour l'importance. Vous voyez la connexion encore. Saul. Et l'importance. Il y a des gens qui réussissent. Mais qui ne deviennent pas importants. Mais lorsque le succès de ta vie devient important. Et tu te dis. J'ai le succès. Et cela m'a conduit à l'importance. Alors tu marches sur le chemin de Saul de Tarse, qui est devenu important dans l'histoire, important dans la Bible, important dans le royaume de Dieu. Pense de différentes manières, il était important de façon complète. Tu seras important au nom de Jésus. Mais vous savez, puisque ça va arriver, il faut la persévérance. C'est quoi la persévérance? C'est le faire, continuer à le faire. Suer et continuer à le faire. Fatiguer, mais continuer à le faire. Déçu, mais continuer à le faire. Et tu persévères et tu endures et tu évolues jusqu'à finir. Comme l'apôtre Paul, j'ai achevé la course, il dit maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Comment Saul de Tarse, comment a-t-il pu réussir pour devenir une étoile? Le S. Il était une personne désintéressée il avait un sacrifice désintéressé dans le service. Vous voyez cela dans notre vie, nous faisons des sacrifices. Quand tu te sacrifies, pas pour toi-même, pas pour ta gloire,
pas pour ton élévation, mais pour les autres. Et tu as un sacrifice désintéressé dans le service. Il a rencontré le Seigneur en Actes chapitre 9. Et dans le verset 6, il a dit au Seigneur, il a dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je te donne le contrôle de ma vie. Je te donne mon passé, mon présent, mon avenir entre tes mains. Son passé était pardonné. Son présent était refaçonné. Et son avenir était réassuré. Et rassuré. Et quand il a dit: Seigneur, maintenant, je m'abandonne. J'abandonne tout. Tout mon passé, tout mon présent, tout mon avenir, j'abandonne tout. Et il voulait suivre le Seigneur à tout prix. À tout prix. Ça, c'est la raison pour laquelle il est parvenu au niveau où il est devenu. Et toi, dans ta vie, tu es désintéressé et tu fais des sacrifices dans le service envers les autres, ceux de ton monde, en servant ceux que tu connais et ceux que tu ne connais pas, en servant les Juifs et les païens. C'est ce sacrifice désintéressé dans le service qui t'amène à la destination. J'y arriverai, j'y arriverai. Ne compte pas le prix comme étant trop élevé. Tu n'as pas encore fait suffisamment. Ah, je vais très loin. Hein? Non, tu n'as pas encore couru plus rapidement. Ah, j'ai déjà beaucoup donné. Non, tu n'as pas encore beaucoup donné. Que ce soit désintéressé. Et c'est tout le monde. C'est ce sacrifice désintéressé dans le service qui t'amènera à destination, le A. Dans le non-sol, la soumission absolue au Sauveur. La soumission absolue au Sauveur. Soumettre sans réserve. Tout soumettre sans modification. Tout soumettre sans ajustement. Tout ce que j'ai. Tout ce que je suis. Tout ce que j'ai jamais espéré avoir, la soumission absolue au Sauveur. Après tout, il a donné sa vie pour ton salut. Il a quitté la gloire d'en haut pour ton salut. Il a quitté le confort du ciel pour ton salut. Il a tout laissé, tout abandonné, tout ce qui était bon, splendide, tout ce qui était glorieux. Tout ce qu'il avait au ciel, juste pour toi. Et maintenant, il faut que tu lui rendes l'appareil. S'il a tout abandonné, tout soumis, alors tu dois avoir la soumission absolue au Sauveur. La fortification, il a dit, ah, ces Corinthiens là, plus je les aime, plus ils ne m'aiment pas. Ah, je ne vais plus jamais le faire. Le U, c'est la force inlassable. La fortification inlassable pour les saints. Le secours inlassable pour les saints. Quand dans ta vie, tu es inlassable dans tout ce que tu fais. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Chaque semaine. Qu'est-ce que je peux faire cette semaine? Tout ce que tu rencontres. Qu'est-ce que je peux faire pour ces nouveaux contacts? Pour que je fasse quelque chose. Pour le faire avancer. Et tu es inlassable. Imparable. Tu es imbrisable. Quel que soit ce qui se passe. Tu avances. Ainsi de suite. La fortification inlassable pour les saints, le L, le service de libération
pour la société. Tout ce que tu fais, tout cela apporte quelque chose de plus à la société. Pour élever la société, libérer la société. Rend la vie plus facile, meilleure à ta communauté. Voilà pourquoi sort le tasse. Voilà pourquoi il est devenu une étoile, Samuel. Ensuite, Timothée. Ensuite, André. Ensuite, Ruth. Et maintenant, Saul. Rassemblez ces principes. Allez sur votre face devant Dieu dans la prière. Et dites toutes ces qualités qu'ils avaient. En leur temps, je les aurai en mon temps. Et ces pratiques qui les ont aidés pour aider le monde, je vais maintenir ces pratiques dans mon monde. En ce moment, j'ai perdu un amen. Et le progrès qu'ils ont fait, et le sommet de la montagne qu'ils ont atteint, j'atteindrai. Tu l'atteindras. Ce n'est pas possible de suivre tout ce que le Seigneur t'a révélé, le même Dieu Tout-Puissant, qui les a aidés, va m'aider. Et très bientôt, très très bientôt, très bientôt, j'ai dit très bientôt même, je verrai les étoiles. De ce rassemblement, je te verrai en haut. Je te verrai très élevé sur la terre. Et quand nous irons au ciel, je te verrai. Ceux qui reviennent et ramènent les autres à la justice brilleront dans le gouvernement, dans le royaume de Dieu. Pour toujours et pour toujours. Au nom de Jésus. Levons-nous maintenant. Et que chacun amène tout ce qu'il a entendu à Dieu dans la prière. Ouvre la bouche. Et parle au Seigneur. Et dis, Seigneur, j'ai entendu l'appel. Je vois l'objectif. Je vois la destination. Je vois le lieu où tu m'amènes pour être une étoile. J'y arriverai. Tout ce qui va t'empêcher d'être l'étoile que Dieu a établie pour que tu sois, détourne-toi de ces choses. Répands-toi de ces péchés, la transgression, les anomalies de ta vie qui ne glorifie pas le Seigneur. Ces anomalies empêchent les étoiles de briller. Le péché, péché commun, péché charnel, cela voulait empêcher Joseph. Mais il a dit non. J'avance, je marche pour devenir une étoile. Les étoiles ne font pas ça.
parle au Seigneur. La transgression, je m'en détourne. Je me détourne de toute forme de transgression. Les abominations, tout ce qui est abominable aux yeux du Seigneur, détourne-toi de ça, repens-toi et dis Seigneur, je sais les abominations vont tuer les étoiles. Je me détourne de ces choses. J'abandonne. Je les enlève, je les ôte de ma vie. Tout ce qui est pécheur. Toute transgression, tout ce qui est abominable, tout ce qui peut ruiner. Le mauvais caractère va te ruiner. La rétrogradation va te ruiner. Parle au Seigneur. Détourne-toi de ces choses. Tourne-toi. Détourne-toi de ces choses. Et viens au Seigneur. Et porte les regards sur le Sauveur, Jésus-Christ. Le Sauveur des pécheurs. Il va te sauver. Il va te pardonner. Il fera de toi une nouvelle créature en Christ. Il mettra une nouvelle vie, une nouvelle nature en toi. Il fera de toi une nouvelle créature en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Confie-lui ta vie. Et dis, Seigneur, je te soumets tout. Je crois en Christ maintenant comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Je reviens et je me détourne de tous les péchés du passé. Et je viens à mon Sauveur. Que la puissance de Dieu, la puissance de Dieu en l'homme,
Si tu crois dans ton cœur, et si tu confesses de ta bouche que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie Amen. La tête baissée, les yeux fermés, tu as découvert qu'il faut que tu te détournes de tout ce qui pourrait détruire l'étoile. Et tu veux te détourner de tout ce qui pourra affaiblir la lueur de ton étoile, et tu veux sortir de cette fosse et venir au sommet pour que le Seigneur lui-même puisse te recréer, puisse te remodeler et te refaçonner pour que les péchés de ta vie qui pourraient t'empêcher de parvenir au bon côté de Dieu, tu es prêt à les abandonner. J'ai dit, Seigneur, me voici. Je me donne de façon absolue à toi. Alors, partout où tu es, tu lèves simplement ta main. Que Dieu te bénisse là-bas, n'importe où tu es. Tu veux revenir au Seigneur et tu veux te détourner de tout péché, de toute transgression. Tu veux te détourner de toute abomination. Tu te détournes de toute chose qui pourrait ruiner tes chances. Tu te détournes de tout ce qui est de Satan dans la société. Tu dis, Seigneur, absolument, je me soumets entièrement à toi. Prends-moi, Seigneur. Prends-moi maintenant, pardonne-moi, change ma vie, transforme-moi, fais de moi une nouvelle créature en Christ. Lève-leur cette main, fais-le maintenant. Seigneur, je reviens, je me repens, Seigneur, je me donne complètement à toi. Je crois, Seigneur, au Seigneur Jésus-Christ pour être mon sauveur. Garde la main levée. Je prie avec vous, Père, au nom puissant de Jésus. Tous ceux qui sont revenus au Sauveur aujourd'hui, se détournant du péché, pardonne-les au nom de Jésus. Purifie leur vie au nom de Jésus. Ôte de leur vie tout ce qui pourrait détruire leur avenir. Fais d'eux de nouvelles créatures en Christ. De nouveaux hommes, de nouvelles femmes, nous garçons, nouveaux garçons, nouvelles filles, dans le Seigneur, au nom de Jésus. Affirme-le dans leur vie. Confirme-le dans leur vie. Et donne-leur la grâce permanente venant de Dieu pour les éloigner de tout ce qui pourrait détruire leur vie, au nom de Jésus. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Un Amen de transformation. Maintenant, le Seigneur a révélé tous les principes et de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu dois suivre ces principes. Dans la vie de Samuel, dans la vie de Timothée, dans la vie d'André, dans la vie de Ruth et de Saul, tu dis, Seigneur, aide, Dieu m'aidant, je vais suivre tous ces principes et ces choses pratiques que j'ai entendues aujourd'hui pour que je puisse devenir étoile dans
mon monde, où es-tu là-bas? Lève la main. Le Seigneur va t'aider. Tu vas suivre ses principes. Et comme ces étoiles, temps biblique, comme certaines le sont déjà dans le monde contemporain, tu es l'étoile suivante. Tu es la femme suivante. Tu ne seras pas un auditeur oublieux, mais tu te rappelleras chaque jour et tu marcheras fermement dans le chemin des étoiles au nom de Jésus. Père, nous te remercions, nous bénissons ton nom. Nous savons que tu as révélé ceci à tout un chacun pour un objectif. Nous prions l'objectif de ta révélation, soit une réalisation dans chaque vie. Tout ce qui nous empêchait par le passé, nous prions que tu les balais de nos chemins au nom de Jésus. La grâce pour devenir, la puissance pour devenir, la force pour devenir, la capacité pour devenir, la fermeté pour devenir, accorde pour devenir des étoiles dans notre monde, accorde-les à chacun au nom de Jésus. Aux garçons, aux filles, aux hommes, aux femmes, aux mères, aux pères, à chacun, à tous ceux qui ont entendu, que tu reproduises les étoiles en chacun de nous, à partir de ce moment, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Un amen pour le ciel. Un amen pour l'accomplissement. Un amen pour la manifestation dans ta vie. La prochaine fois que je vais te rencontrer, je te verrai comme une étoile brillante dans le ciel de notre monde. Amen!